On s'excuse d'abord du retard qu'il y a eu parce que nous avons convoqué la presse pour 18h. Malheureusement, les conditions ne nous ont pas permis de commencer à temps. Il a fallu attendre ce moment et on s'en excuse beaucoup. Mais nous nous adressons à vous dans un moment solennel, dans un moment assez critique. Parce que nous avons assisté aujourd'hui à cet acte de levée de l'immunité parlementaire de l'honorable député Mohamed Guéye ou Cheikh Mohamed Wade. Vous savez que depuis une semaine, ce problème retient l'opinion publique par sa gravité. Ça fait maintenant 3 mandats qu'il n'y a pas eu de levée d'immunité parlementaire. Parce que ce n'est pas une simple question. Ce n'est pas une petite histoire que de lever l'immunité parlementaire d'un député. Ce qui fait la force du député et la force du Parlement, c'est cette immunité qui est garantie par la Constitution. Quoi qu'on dise, la Constitution, elle est là, elle est très claire, l'article 50, qui protège le député. Le député, il s'est exprimé dans une séance de discussion de la déclaration politique générale du gouvernement. Il a émis son opinion. Son opinion, il en est responsable. Son opinion n'engage que lui. Mais il a le plein droit d'exprimer son point de vue. L'article montre que son immunité le protège par rapport à l'opinion qu'il émet ou au vote qu'il décide de faire. Malheureusement, on a fait fi de cela au niveau de l'Assemblée. Même le processus qui a conduit à cette plénière aujourd'hui a été entaché. Pour la bonne et simple raison que le règlement de l'Assemblée précise que dès que le Parlement est saisi par le gouvernement pour la levée de l'immunité parlementaire, une commission ad hoc est constituée, elle est de 13 membres. C'est ce que prévoit le règlement. Ces 13 membres sont désignés selon la règle de la proportionnalité, mais par les présidents des groupes parlementaires. Quand les groupes de l'opposition ont refusé de faire partie de cette commission, ils ne se sont pas gênés de violer la loi. Et sur aucune base juridique, ils ont fait substituer les députés qui devraient représenter les groupes de l'opposition. Ils les ont fait remplacer par des éléments de l'INSA. Ça ne se base sur aucun règlement, aucune loi. Tout simplement parce que de toutes les façons, ils ne s'embarrassent pas des lois. Ils ont violé la Constitution d'abord, violé le règlement de l'Assemblée devient pour eux une petite histoire. Mais aujourd'hui, nous disons que par rapport à tout ce processus, nous nous sommes démarqués. Parce que nous savons qu'ils ont leur majorité mécanique pour faire passer ce qu'ils veulent. Mais au moins, nous n'allons pas être partie prenante de cela. C'est pourquoi nous nous sommes abstenus dès le premier jour, quand on nous a refusé la parole au niveau de la plénière où le problème a été abordé. Et aujourd'hui, c'était une simple formalité pour eux. Et nous avons refusé de bout en bout de pouvoir participer à cela et d'être partie prenante à cela. Mais nous vous disons tout simplement que c'est une histoire qui est très grave, qu'on remet en cause la démocratie, qu'on viole la Constitution, qu'on viole le règlement de l'Assemblée, eux, ils n'en ont que faire. Ils sont prêts à le faire et nous ne sommes pas prêts à le cautionner. C'est pourquoi nous avons tenu à nous exprimer. Tous les groupes, tous les partis représentés à l'Assemblée, les partis de l'opposition, je veux dire, représentés à l'Assemblée, sont ici présents. Je ne fais qu'introduire le sujet. Les députés de différents partis sont là. À vous
de poser des questions et les honorables députés sont là pour vous répondre. Je vous remercie. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Njetti Allah no wadi en julbe. Allah yidde nelal sallallahu alaihi wasallam. Don bi do mursanaji fofu ndurata ton. Njettiri dum Allah. Enen dey ken nulabe Mauritani Mauritani fof ne fotirma yen jolono dum e soudi sardiyeji kala ko jiden ene nyawi ko faati mumen taw eden darano dumen kadi daron den dumen e dow tousam e dow gonga e dow hillifete e der Mauritani comme e dole e der ley ele rende men do e Afrique cadele ene kewi ko foti haalede ko foti reglede ko foti fewnede ko foti firtede ko foti wattede ko foti rewnede lawol dum non so tawi en jodi may koy men en kufi jagorde men holko kaldeten de mumen ko heewi ko wona ko ngudi di pewani so mari ko fewanten wiite ko baddon ko fewani min gala hen so min ji leydi ndi ko wegni hen ko bonnante bibbe leydi Mauritani min dar min kabuno dum ha rettine lawul kono woni gongdude ne kadi so tawi a yi neddo haali ko wegni ko fewani kadi wi dum do fewani haysi ko imaji haysi ko an ko kaldo yafno biya ko kalmi ko en min cautionta wonde ko o do wul sidi buye haali do ko parce Mohamed buye ko haali do ko parce que hay goto e meden so tawi dari may der galle mum wiyama yo reftu ko haali ko yo firtani goto e meden fo ene tedda e mudum firtul ko haali holko foti haalede e parlement kay ko wona gede cewde min ko yimbe hellifaabe nelaado yo ngar njodono e bibbe leydi non so tawi neddo oppi lawul ene wodi ne nyaawir eden jogi reglement ji jodani di parlement wonde so tawi kaari oppi lawul njurnirden dosde meden ñaawen mo e der dosde parlement be noddino les membres du bureau de l'assemblée njodima njurnitima dosde de dosde mbiya o tawetake 4 plénières ene foti ittede njobdi makko le tiers pendant lebbi tati wala lebbi nay mi renani kono min jidano yetto to yettido wonde hone jonde jodane hande de immunité makko parlementaire yo itte pour o ñaawé da min jida kadi min jinno ko so tay wignima babe min jottodo mabbe kambe opposition e lamu ka tita halaka rewne ne foti rewirdi parce que min jida min garda e mabbe ha wana fi maydo ko ha gurdu hula auto lamu jew hayso kanyimen goni majorité c'est-à-dire à l'assemblée wiide kañumen ene mbaɗa pression ɓurtuɗo e nder sarɗiyankoɓe pour ha kula haalde won haaluji ɗi poti haalde e taw kadi koko nafata ɓiɓe leydi nafata leydi ko jogade ko jogade député ji laamu jogode député ji opposition noon haala ka yaawi woɗɗoyde foti yettade ɗon amin ñaguiɓene kayi oto yettu ha kene herƴina e ko golle ɗe ponɗe ɗen gollade e nder assemblé ha woda ko woni on jarama